Bonjour et bienvenue pour ce flash sports.fr. Au sommaire, l'Allemagne en finale de l'Euro, l'Espagne et la Russie à l'attaque pour prendre l'autre place de cette finale. Les dernières infos du mercato et nous terminerons par une journée à Wimbledon. L'héroïsme et la vaillance n'ont pas suffi. Il a manqué un peu de réalisme et de chance à la Turquie pour se qualifier pour la finale de l'Euro. Défaite 3-2 des Turcs face aux Allemands. Comme souvent, l'Allemagne est dominée, mais à la fin, elle gagne toujours. Nous avons été plus efficaces par un jeu direct, a analysé le sélectionneur allemand. Un combat très fatigant pour Joachim Löw, qui a apprécié la réaction de ses joueurs pour égaliser un partout. De son côté, Fatih Terim est triste, mais il félicite ses joueurs. C'est à lire sur sports.fr. Tous d'attaque, la Russie et l'Espagne se rencontreront ce jeudi à 20h45 pour une place en finale. Les défenses seront donc la clé de ce match. Elles devront contenir la Furia Roja d'un côté, David Villa et Fernando Torres notamment, et l'Armada russe de l'autre, avec à la baguette Andrei Arshavin, à suivre dans notre live dès 20h45. Au moins, vous ne manquerez aucun but. Le point du mercato, c'est fait. Marseille et Lyon sont tombés d'accord pour la venue de Ben Arfa sur la Canebière. Transfert autour de 15 millions d'euros. Lilian Thuram se rapproche du Paris Saint-Germain. Savidan a signé à Caen. C'est à lire sur sports.fr. Dommage, Nathalie Dechy a quitté le central de Wimbledon en larmes, sous les ovations, mais avec une défaite. Elle a poussé Anna Ivanovic, vainqueur à Roland-Garros, dans ses derniers retranchements. Défaite 18 de la Française dans le troisième set après deux tie-breaks face à la numéro 1 mondiale et ce malgré deux balles de match pour la Française. De leur côté, Bartoli et Mauresmo continuent. Chez les garçons, Jiquel s'est qualifié juste avant la nuit. Serra lui s'est fait sortir, tout comme Djokovic. Marat Safin n'a eu aucun mal à se débarrasser du numéro 3 mondial, 6-4, 7-6, 6-2. Au programme de ce jeudi, deux duels fratricides, Grosjean opposé à Gasquet et Paul-Henri Mathieu face à Chardy. Arnaud Clément et Émilie Loi seront aussi sur les cours londoniens. C'est à suivre en live dès 13h. Voilà, c'est la fin de ce flash. Retrouvez toutes ces news dans le détail sur notre site sports.fr. Au menu des lives de la journée, dès 13h, rendez-vous à Wimbledon, mais aussi du golf avec l'Open de France sur le circuit de l'Albatros à Saint-Quentin-en-Yvelines. Et puis à 20h45, la deuxième demi-finale de l'Euro, Russie-Espagne. Salut et à demain. We'll be right back.